Salut tout le monde, je suis tellement contente que vous êtes capable de me rejoindre pour le temps de lecture. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Boucle d'or et les trois oursons. Il était une fois trois oursons. Il y avait une papa ourson, un maman ourson et un bébé ourson. Maman ourson était en train de faire du bouilli pour manger, mais la bouillie était encore trop chaude. Alors, la famille a décidé de quitter la maison pour se promener en attendant que la nourriture se refroidisse. Tout près de chez eux, il habitait Boucle d'or. Boucle d'or n'était pas une enfant très sage. Et un jour, elle était à l'extérieur en jouant quand elle a senti l'odeur de la bouillie que Maman Ourson avait préparée pour sa famille. Elle approcha de la maison et regarda par la fenêtre. Oh! Elle aperçoit la bouillie à l'intérieur. Elle frappa à la porte. Toc, toc, toc! Mais personne n'a répondu. Elle regarde encore à l'intérieur. Elle n'aperçoit personne. Boucle d'or décide de rentrer dans la maison des oursons sans permission. À l'intérieur du maison, Boucle d'or se rapproche du table avec la bouillie. Elle aperçoit trois bols de bouillie. Elle goûte la première dans la plus grande bol. Elle la goûte et dit « Oh! Ce bouilli est trop chaud! Ouch! » Elle essaye la prochaine bouillie. Elle la goûte « Bah! Cette bouillie est trop froid! » Elle essaye la troisième dans le plus petit bol. Puis elle dit « Ah! Oui, cette bouillie est parfaite. Niam, niam! » Après qu'elle a mangé toute son bouillie, avec le bidon plein, elle se dit « Oh, je dois m'asseoir. » Elle aperçoit trois chaises. Elle s'assoit sur le plus grand chaise. Et elle dit « Oh, cette chaise est trop dure! » Elle s'assoit sur la deuxième chaise. « Oh, cette chaise est trop molle! » Elle s'assoit sur la troisième et plus petite chaise et elle dit « Ah oui, cette chaise est parfaite. » Mais kaboum! Oh non! La chaise s'est cassée. Elle décide alors d'aller en haut. Elle trouve dans une chambre trois lits. Elle se met dans la première lit et se dit « Ah non, cette lit est trop dure! » Elle se place sur la deuxième lit et se dit « Ah non, cette lit est trop mou! »
elle se place dans la troisième lit. Et elle se dit, ah oui, cette lit est parfaite. Et Boucle d'or s'endorme. Durant ce temps, les trois oursons se promenaient dans la forêt, mais ils retournent chez eux pour manger la bouillie que Maman Ours avait préparée. Quand ils rentrent chez eux, ils aperçoivent qu'il y avait des cuillères dans leur botte de bouillie. Oh, oh. Papa Ours dit, « Hey! Quelqu'un a mangé mon bouillie! » Maman Ours dit, « Ah oui! Quelqu'un a mangé mon bouillie aussi! » Et bébé Ours a dit, « Ah! Oh, ben regarde! Quelqu'un a complètement mangé ma bolle. » Ils continuent de vérifier leur maison et ils aperçoivent que quelqu'un avait assis sur leur chaise. Papa ourson dit, « Ah! Quelqu'un s'est assis sur mon chaise. » Maman ours dit, « Ah oui! Quelqu'un s'est assis sur mon chaise aussi. » Bébé ours dit, « Oh non, mais quelqu'un s'est assis sur ma chaise et ma chaise s'est brisée, s'est cassée en morceaux. » Alors, Maman Ours, Papa Ours et Bébé Ours continuent de vérifier la maison. Ils montent en haut et rentrent dans leur chambre. Papa ours aperçoit que quelqu'un s'est couché dans son lit. Oh non! Maman ours aperçoit aussi que quelqu'un avait couché dans son lit aussi. Bébé ours, oh non! Quelqu'un est endormi dans mon lit! Boucle d'or se réveille et aperçoit les trois ours autour d'elle. Oh! Et en les regardant, elle peut voir qu'ils ne sont pas contents avec elle. Elle s'enfuit de la maison à toute vitesse et retourne chez elle. Elle se dit, « Je vais jamais, jamais, jamais rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une bonne chose à faire. » Merci tout le monde d'avoir écouté à l'histoire de Boucle d'or et les trois oursons. J'espère de vous revoir bientôt. À la prochaine!